Mesdames, Messieurs, on est samedi, c'est notre bouillon du samedi, vous avez reconnu le générique. C'est Terre à Terre qui commence. Aujourd'hui, Terre à Terre reçoit. Moi, je ne sais pas comment elle peut présenter la personne. Là. Je laisse le soin de se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour, papa et Doudou. Présente-toi toi-même. Je me dis quoi? En fait, je me nomme Job Monono Marie Gisèle, MG pour certains. Je dis ça comme ça. Je suis née le 20 novembre 1989 à Bangoua, dans le département d'Indé, région de l'Ouest. Donc voilà, je suis la troisième d'une famille de six enfants. Je suis issue d'une famille, je dirais, pauvre et très endettée. Bon, pas le passé. progressivement, ça va. Voilà un peu qui suis-je. Voilà. Tu es passé par l'université de Tchang parce que nous, on est dans les bars au quotidien. Et on dit que tu étais d'abord la mascotte même de l'université. Tu faisais quoi là-bas exactement? En fait, j'ai fait 7 ans à Tchang. 7 ans? Oui, 7 ans. Et je suis sortie de là avec un master en droit public. Master en droit public? Oui. Vous me parlez, non? Mais j'ai des relations. C'est vrai que j'étais intéressée par le fan club. Donc, de ma première à la cinquième année, à la quatrième année, j'étais fan club. C'est ouais. En fait, on va dire quoi, le club des supporters, nous étions censés accompagner nos équipes tout au long des jeux universitaires, avec des danses, des cris, des chants, et voilà un peu. Ouais. Mais la mascotte, je ne sais pas si j'étais la mascotte. Je sais qu'à Tchang, la mascotte, c'était le porc. Oui, le porc. Oui, c'était le porc. Oh ouais. Donc, à Tchang, c'était comme ça. Donc, peut-être que je me suis démarquée, je ne sais pas. Oui, mais tu as été bon. Plus tard que le port à Tchang. C'est vrai que l'université de Tchang, où le fan club a drainé beaucoup de foule, ouais, par le talent, l'originalité dans les prestations, la compétence, nous étions compétents, ça ne mentait pas, ça ne blaguait pas, ça dansait fort, très fort d'ailleurs. Et j'ai fait un concours comme ça à tous les fans, et particulièrement à mes camarades de Tchang. Voilà. Mm. Après Tchang, donc tu es monté à Yaoundé. Oui. Voilà. Après Tchang, après le master, vu que j'ai soutenu en 2016, j'ai été retenue déjà pour un stage pré-emploi à la Caisse nationale de provision sociale. Ouais. Et en 2018, plus exactement, le 19 février 2018, j'ai été recrutée, définitivement, comme cadre juriste à la CNPS. Cadre juriste à la CNPS? Oui. Donc, si quelqu'un me provoque, maintenant, là, je t'appelle. Bon, ça dépend, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, mais je suis juriste. Oh ouais, tu connais le droit? Oui, le droit public, je connais le droit public. Voilà. Et en dehors de ce travail-là, tu t'es démarqué par... ton talent de, je sais pas, d'artiste. On t'a vu plusieurs fois présenter des émissions dans des chaînes privées. Oui. C'était quoi exactement? Bon, en fait, avant même que je ne sois recrutée à la CNPS, je faisais déjà dans... j'étais la chroniqueuse à l'émission Catapulte que beaucoup ont certainement connu. Oui. Et il était question pour nous, en tant que chroniqueuse, de faire des recherches sur les invités, leur parcours, et entrer un peu dans la peau de ces invités-là pour pouvoir les présenter à la société, et tout en passant le message fort qui se cachait derrière leur personnage. Ouais. Donc avant même d'être cadre à la CNPS, j'étais déjà chroniqueuse. Ouais. Et c'est une très très belle aventure parce que ça m'a forgée, ça m'a formée à être, entre guillemets, présentatrice et surtout à m'aider à placer deux, trois mots sans dire. Et je l'ai dit et qu'on sort. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et jusqu'aujourd'hui, je suis d'ailleurs présentatrice. Ouais. Donc, je suis passée de chroniqueuse à l'émission Catapulte à présentatrice de l'émission Just Life. Just Life. Oui, Just Life, c'est cette émission-là que je présente tous les deuxièmes samedis de chaque mois à 12h30 sur Sun Plus TV.
donc une nouvelle chaîne de télé que vous aurez l'occasion certainement de découvrir sur Facebook. Ouais. Et pour tous ceux qui ont créé Creolink, Digisat et consorts, vous pouvez également demander à votre câbleur de vous installer cette chaîne-là. Ah, donc ça, c'est la pub de la chaîne là que tu fais déjà. Ben, en passant comme ça. Non, mais si c'était la terre, nous, on s'en fout. Voilà. Et en dehors de ça, tu es comédienne. Une parfaite comédienne. Ah bon? Parce que tu as fait une vidéo avec Doudou là qui a touché même l'Asie. Et tu as eu le retour de cela. Et oui. Dis-moi un peu, lorsque cette vidéo est passée sur les réseaux sociaux, le retour c'était quoi? Déjà, quand Papa et Doudou m'envoient la vidéo, le lien, c'est le dimanche le 6 novembre. Ah. Oui, je ne veux pas oublier. Parce que c'est l'anniversaire de mon grand frère aîné et de ma petite soeur. De mon frère aîné, pardon. Ouais. Et ma soeur cadette, direct. Ouais. Et donc ce jour-là, j'étais tellement occupée, je n'ai même pas pu regarder. On ne fait que m'appeler, dit Seigneur. J'ai fait comment? Allô, tu as fait fort, j'ai fait quoi? Je ne comprends pas. Je n'avais pas encore regardé. Tu as fait fort, tu menaces à couler, j'ai dit que j'ai faim. Et puis j'ai dit, moi, tiens, c'est à peut-être 15 heures que j'essaye de regarder. Et quand j'essaie de regarder, je dis, parce que j'avais tellement de travaux à la maison. Ouais. Je me calme, je regarde le soir. Ah tiens, quand j'arrive sur TikTok, sur Facebook, oh, ça avait déjà pris. Ouais. Pire alors, ou alors, pas pire, en fait. J'arrive au travail le matin, maman, tu as fait froid, je dis que, hey, même vous, vous voulez travailler, vous êtes... Non, on a des téléphones Android, c'était vraiment, waouh. Ouais. C'était... Je ne sais pas comment dire ça, c'était tout simplement extraordinaire. Pourquoi? Ouais. Parce que je n'avais jamais fait dans ça. Ouais. Jamais. Et c'était naturel. Ouais. C'était bien parce que papa et Doudou, tu ne m'avais pas imposé de faire ci, de faire ça. Non. Tu m'as dit, voilà le scénario, action. Ouais. Et quand on s'est lancé, c'était vraiment action. C'était trop bien. Ouais. C'était hyper bien, vraiment. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Ouais. Dans la rue, parce que tu as fait un zakoulala. Tu me tentes, je vais te racler. Et papa, c'était... Jusqu'aujourd'hui, j'étais à Douala le week-end passé. Ouais. Encore toi. Ouais. Et les hommes musclés viennent d'abord ici. Zach, la dossier te porte, tu es sûr que tu vas parler. Tu es sûr. Ouais. Tu as pour le courage. Ouh, je dis que non, je l'avais anéanti avec les mots. Je dis que jusqu'aujourd'hui, ouais, les mamans, alors, ma famille, oh là là, n'en parlons plus. Ouais. C'était extraordinaire, vraiment. Et je ne peux que dire merci à papa et Doudou parce ouais, que c'était une occasion de m'exprimer ouais, différemment. Oui. Ouais. On me connaît peut-être comme une danseuse, on me connaît comme présentatrice, on me connaît même comme juriste. Mais peut-être que cette casquette-là, on ne m'avait pas encore connue comme ouais, ça et ouais, j'ai aimé. Et ça, on ne m'a pas encadrée, genre dis ci, dis ça, parce que je ne pouvais pas réciter. Voilà. Mais je sortais de moi, oh, cette petite, ouais, cette griffe de guerrière-là, et puis c'était tellement... vraiment, merci beaucoup et coucou comme ça à Zach des Zach. Voilà. Mmh. Alors, après cette vidéo-là, est-ce que ça ne t'a pas donné des idées quand tu as eu ce retour-là? Tu t'es dit, bon, dans le cinéma, je peux aussi m'essayer. Pardon. Peut-être oui. Ouais. Mais je me dis, c'est step by step. Yeah, voilà, voilà, voilà. Pardon. Pour okay, le champagne. Hey, que ça sort. Pardon. En fait, ça m'a donné des idées. Ouais. Mais je me suis dit, c'est pas parce que j'ai fait ça et que les gens ont aimé oui, que d'office je suis déjà comédien, je suis arrivée. Non, pas du tout. Mmh. Je me dis, chaque métier a ses rouages, il faut maîtriser les rouages du métier. Oui. Sinon, c'est trop facile, je suis comédien. Non, non, non. C'est pas suffisant pour moi pour être comédien. Parce qu'ils sont nombreux au niveau des réseaux sociaux maintenant et pas même cinéma, hein. C'est-à-dire que vraiment, ils sont des cinéastes. Pour ma part, c'est une grosse faute. Sinon, ils seront des cinéastes saisonniers. Ah bon? Oui, à la saison, c'est qu'ils sont là. À la saison, plus on les oublie. Pour s'inscrire. Pour s'inscrire. C'est pas facile. Hein? Non, pour s'inscrire dans le. On dit quoi? Dans le temps ou pour marquer une époque, ouais, il faut être formé. Ouais. Il faut prendre du temps. Il faut apprendre auprès des aînés. Il, voilà, faut faire des ci, des ça. Il ne faut pas faire une fois, c'est bon, non. Il faut faire encore et encore, donc... Voilà. Peut-être qu'il y a un petit truc dans le ventre, peut-être, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il faut se former et bon, voilà. Voilà. Donc,
C'est un peu ça. Et est-ce qu'après ce passage-là, d'autres producteurs ou réalisateurs t'ont approché pour essayer de faire quelque chose avec toi? Bon, pour l'instant, non. Il y a déjà noté que tu es très occupée. Oui, c'est vrai aussi. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça. Ouais. Mais c'est pour le moment, pas encore. Maintenant, si on me contacte pour un projet, ouais, et que ça n'empiète pas mon travail principal, ah, parce que ouais, je suis employée dans une entreprise où il faut être là 7h30, au moins jusqu'à 15h30 minimum. Oui, parce que là-bas, on est très rigoureux. On hein. est très rigoureux, voilà. Ah, ouais, comme ouais. le directeur général. Ah, d'ailleurs. Oui, il est très rigoureux. Ouais. S'il arrive à 7h30, qui suis-je pour arriver après lui? Vraiment. Il arrive avant 7h30 d'ailleurs. Ouais. Donc, je ne suis pas autorisée à faire ça. C'est mon gagne-pain après. Donc. Ouais. Donc, si j'ai des projets qui n'empiètent vraiment pas mon activité principale, je vais me lancer parce que je suis quelqu'un, j'aime apprendre, ouais, et j'aime être polyvalente. Ouais. C'est d'ailleurs la devise en entreprise, il faut être polyvalente. Si on balaye le sol, balaye aussi. Si on fait ci, il faut être curieuse, qu'est-ce qu'on fait à côté? Et ça va me permettre d'être peut-être quelqu'un d'assez autonome, d'assez bien formé, ouais, et après d'assez sollicité par la suite. Il faut quand même avouer que tu es d'une humilité à nulle autre pareille, parce que c'est quand même une tête pleine, hein, et bien pleine. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le métier là, mais quand on les écoute un peu, vraiment, ça laisse à désirer. Mais toi, ah bon? Vraiment, on se fait, c'est un grand plaisir vraiment comme ça d'échanger avec toi. Alors, tes journées, ça se passe comment? Quand tu te lèves le matin, parce que je me dis que tu n'es pas encore... Tu es encore en famille. C'est-à-dire que... Ou bien il y a un danger là-dedans. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, je ne suis pas en famille, je suis en location. D'accord. En famille, la famille, disons, les parents sont à Bafoussam. Ouais. Et à Yaoundé, ici, je suis en location avec mon grand frère. Mon ouais. tout premier grand frère. Donc, nous sommes deux à la maison. Ouais. Ça va que présentement, nous sommes un peu plus nombreux. Donc, de lundi à vendredi, c'est la routine. Genre, je suis censée me lever. Bon, c'est vrai que le premier réveil, c'est 5h. Deuxième réveil, 5h30. C'est quoi le parce premier réveil? Parce qu'en passant, je dors trop. Et je suis trop paresseuse. Ouais. Donc, mon téléphone sonne deux fois. Ouais. Et quand je me lève, donc, je fais d'abord ma prière, puis je m'apprête, je vais au travail. Quand je rentre donc, du travail, je vais faire manger pour mon frère et moi. On n'a pas de ménage, on se vend nous des... Ouais. Et puis, je vais rentrer... Lui-même n'est pas encore marié. Non, il n'est pas encore marié, mm-hmm, oui. Donc, je vais faire manger peut-être pour 2-3 jours. Et puis, le week-end, si c'est un premier week-end du mois, parce que les deuxièmes, tous les deuxièmes, soit je suis à Douala pour l'émission, soit j'ai autre chose. Ah, donc cette chaîne de télé est basée à Douala? Elle est basée à Douala, d'accord, oui. Son PCV est basée à Douala. Ouais. À Bonapriso, hôtel sportif. D'accord. En passant. C'est la publicité. Donc voilà. Et puis les samedis, quand je suis là, je fais le ménage. Surtout, je range ma chambre parce que je suis désordonnée. Je lave les habits. Quelqu'un m'a dit que les coumènes travaillent alors, hein. je m'arrange à faire des mets un peu compliqués. Ça ouais. peut être le coquille, ça peut être peut-être que les haricots, comme mon frère mange les haricots. Ouais. Ça peut être quoi d'autre. Bref, tout ce qui est compliqué. Mais il ne faut pas que ton frère s'oublie, hein. Non, il ne s'oublie pas. Main, parce non, que non, il quand a tu lui présentes, quand tu lui prépares souvent des mets un peu compliqués, il s'habitue à ça. Non, il a sa petite, il prend le relais de temps en temps. Voilà. Après, c'est moi qui... Et puis, je peux aussi aller au marché pour acheter ce qui manque. Ouais. Parce que pour la plupart, c'est ma maman qui me fait les courses de Bafoussam et puis d'accord, elle expédie. Donc voilà un peu. Hormis ça aussi, je travaille avec l'agence SOS Mariage. Ouais. Tu as d'ailleurs eu l'occasion de recevoir GM. Ouais. Donc quand... Si je ne suis pas à la maison, si je ne suis pas dehors, là, j'ai certainement un mariage. Ouais. Où je suis MC et on travaille, on planifie et on organise le mariage. Tu es MC, voilà, ça signifie quoi? Maître de cérémonie. Voilà. Oui. Je suis maître de cérémonie. Ah, toi, tu as trop d'argent, hein? Même pas, je cherche encore. Parce qu'après ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui apprécient ton talent. Ils voudraient bien te contacter pour que tu aies présent ah, un oui. mariage, pour que tu... Tu vas leur donner ton contact aujourd'hui. Oui, je leur donne mon contact. Et j'invite déjà à faire tout cela, page SOS Mariage. Oui.
Bon, maintenant, au niveau du boulot, tu es quand même... tu es quand même entré là-bas avec un diplôme comme ça. Tu es déjà quoi là-bas, chef de service, directeur? Tu es à quel niveau? Ouais, papa, non, je ne suis pas... Je suis agent simple. Ouais. Je suis agent de poursuite, comme ça qu'on nous appelle. Agent de? Agent de poursuite. En fait, c'est nous qui scellons les entreprises. Ouais. C'est nous qui demandons aux entreprises, il faut payer, il faut payer, il faut payer, sinon... Non, c'est vous? Oui, c'est nous. Comment tu remarqué? Ben, après les employeurs, ils savent que je suis hyper gentille ouais. quand je travaille pour la plupart. T'as dit, tu dis, monsieur, vous n'êtes pas enfin, payé, voilà. vous voyez, je suis obligé de vous sceller dans la paix en avec fait, un bon sourire. Je scelle quand c'est extrême. Ouais. On connaît tous le contexte économique. Ouais. Donc, quand j'arrive de chez, dans cette entreprise, mon premier travail, c'est sensibiliser. Ouais. Je leur dis, vous avez une dette de 1 million. Ouais. S'il vous plaît, je ne veux pas venir ici à poser les CV. S'il vous plaît, essayez de payer petit. Essayez de venir demander au moratoire. Essayez de venir faire ci, de finir ça. Sinon, je suis obligée de vous sceller. Voilà. Et c'est vrai aussi que mes employeurs, au début, ne me prennent pas au sérieux. Tu fais ça? Oui, des fois. Et quand j'arrive à l'extrême, non, madame, non, j'étais obligée de vous sceller, je sais. Voilà, parce que vous m'avez négligé. Et comme je souris toujours, je souris, je sais en sourire. Oh ouais. Et bon, c'est ma nature. Mais sinon, bon, après, on s'entend. Bon, voilà. C'est vrai que j'aurais voulu passer toute une journée avec toi. Tu es très prise et puis notre temps. Est-ce qu'on peut avoir un contact maintenant pour que... C'est parce que tu es aussi un manager? Hey, ma mamie, qui peut manager quoi? Bon, voilà. Tu vas non, je travaille avec une équipe. C'est-à-dire voilà. que j'ai ma tata qui me donne des conseils. Ouais. Il y a un petit cercle là. Ouais. On me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais-en comme ça. Voilà. Ce n'est pas trop fait, comme on fais-en comme ça. Et puis après, c'est simple. C'est pas voilà, mal. Tu vas donc donner ton contact pour tous ceux qui auront vraiment besoin de service. Il y a les gens qui attendent là, qui demandent, est-ce que tu es marié? Je ne pose pas ce genre de questions ici, dans notre terre à terre. Les contacts. Là, ils peuvent me demander, non. Vous pouvez savoir si c'est vous voulez si vous voulez pas savoir c'est si mal. C'est que quoi? Non, vous ne voulez pas savoir donc on passe. Voilà. Les contacts. Et je sais pas si vous avez mon numéro. Donne ton numéro, hein, bon, en tout cas. 691 17 07 75. 75. Maman, je prends ça, c'est un bonus pour toi. 691 17 07 07 75. 75. Oui, Seigneur. Est-ce que tu as encore un petit mot? Peut-être tu voudrais dire souhaiter bonne année à 2-3 personnes après nous on boucle l'émission. Voilà, je voudrais avant tout souhaiter mes vœux les meilleurs à toute ma famille. Tu pas ton DG. Je vais oublier comment. Comment? Hé, hey, cadre à Saint-Pierre. Quand même. Non, mais ça ne se raconte pas, ça se vit. Donc, je commence par ma famille, ma mère surtout. Ouais. Parce qu'elle, c'est mon tout. D'accord. Donc, happy birthday. Hey. Joyeux anniversaire. Non, pas joyeux anniversaire. Bonne mais année. Bonne année, maman. Ouais. Et papa. Bonne année à maman, bonne année à papa, bonne année à mes frères et sœurs. Ouais. Et à tous les membres de ma grande famille. Ouais. Mes vœux les meilleurs à mon directeur général, monsieur Alain Olivier Noël Mekoulou Vando Akam. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, d'avoir fait de moi un cadre à la CNPS. Merci, toi, un gros bras pour ma famille. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent au quotidien, à ceux qui m'aiment sans me connaître, à tous ces directeurs de mon entreprise. Merci à vous particulièrement, madame Hortense Assim. À vous, madame le directeur, merci beaucoup. Merci à vous, mes collègues, vous me soutenez, vous me supportez parce que je suis têtue. Merci. Merci de me soutenir comme ça. Voilà, meilleur vœu à tata Yolande. Maman Yolande Baudillon, qui est là pour moi, qui est là pour m'accompagner quand je ris, quand je pleure, elle est là. Merci beaucoup à toi, tata. Et à vous tous, je ne peux pas vous citer tous, désolé, vous êtes tellement nombreux. Je vais citer comme ça quelques noms. Et maman Le Tchouan, papa Le Tchouan, famille Le Tchouan, merci à vous. Merci à mes amis, à qui m'aime encore. Merci beaucoup à maman Clarisse Capguet pour son amour, son attention, ses conseils, bref, pour tout. Merci beaucoup, maman. La sœur Jacqueline Atabon, mommy, love you too much. À vous tous, mes amis, à toi, ma marraine, à qui d'autre, merci beaucoup. Vraiment, désolée, je ne peux pas vous citer, vous tous, vous êtes tellement nombreux. Je vous aime, bénéfice. Je vous aide là au cœur.
Voilà, celui qui attendait qu'on perde son nom ici, la gars, tu vas encore attendre. Merci, c'est la fin de la terre. C'était Jésus. Merci à toi, Jésus. Non.